Et nous sommes en live. Eh bien, salut à tous, bienvenue donc aujourd'hui pour un nouveau live. Un live un peu spécial vu que nous allons faire ce soir le Mégathlon Volume 2. La suite donc de ce qu'on avait fait l'été dernier à l'occasion de l'ouverture des JO de Tokyo. Donc des jeux d'été qu'on avait fait sur Athènes 2004. Bah, que je vous y renvoie pour les nouveaux qui arrivent et qui ne l'auraient pas encore vu. Alors pour ceux qui sont déjà sur le live après ce live-ci, si vous ne l'auriez pas déjà vu. Et on va donc continuer donc avec cette édition JO d'hiver sur Torino 2006, donc à l'occasion des JO qui se déroulent actuellement, depuis aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui d'ailleurs en y pensant, donc à Pékin. Alors je vérifie si le son c'est bon, ça a l'air d'être bon, je vais rebasculer hop, sur le live, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de connexion, de lag, tout ça. J'ai fait quelques tests un peu avant pendant que je m'entraînais un petit peu sur les différentes épreuves, vu que ça fait longtemps que j'ai pu rejouer à ce jeu-là, et je vous avoue que j'ai un peu, même beaucoup perdu la main. Ce sera pas la même histoire que sur Athènes 2004 déjà. Salut également à tous ceux qui sont déjà présents dans le chat. Bonsoir Victor, bonsoir Alpha, j'espère que vous vous portez bien. Dites-moi d'ailleurs, au passage, si le live tient le coup, enfin voilà, parce que moi les tests que j'ai fait avant faisaient que j'avais l'impression qu'il y avait des lags, donc dites-moi si vous avez des lags de votre côté. La forme, ça fait plaisir, on se retrouve donc pour un petit vendredi soir tranquillou. On va donc lancer directement le mode mégathlon, si on peut dire, vu que on a déjà un mode de jeu qui nous permet d'avoir toutes les épreuves. On va prendre la France du coup, on va mettre notre blaze en vite fait. Et que je disais, j'ai oublié, oui, que en fait, que le live de ce soir, ce mégathlon, risque de durer, je dirais peut-être 2 heures, un truc comme ça, car en fait, il n'y a que 15 épreuves dans ce Torino 2006. Hop là. Alors, c'est pas évident de s'y retrouver sur leur clavier. Là, j'aurais eu un vrai clavier, j'aurais pu réussir à taper ça beaucoup plus vite. Ouais, c'est bon, ok. Hop, voilà. Et bah continuez, let's go. On va se mettre j'aime bien le challenge, je dois dire. Vous me connaissez. Non, quitte à se faire baiser, je préfère me faire baiser normalement, quoi. Bah non, j'ai pas envie de me faire baiser en hard. Ah, ça risque de piquer trop fort là. On va rester en normal. On commence donc avec l'épreuve du ski alpin descente. Donc, et je disais, il y a 15 épreuves hein, en tout et pour tout. Enfin non, en fait, il y a moins de disciplines, mais il y a des disciplines qui reviennent plusieurs fois en fait. Genre en 500, 1000, 1500 mètres. On a droit à une petite introduction. Ce n'est pas étonnant. Ça lag un peu, mais ça va. Bon, ok, bon bah, dites-moi si ça lag de trop, parce que bon, à ce moment-là, si la connexion tient pas, on peut autant reporter le live, hein, parce que ça sert à rien de faire le truc si c'est pas regardable, quoi. Salut Alpha. Encore un jeu en rapport avec les JO d'hiver. Enfin, là pour le coup, c'est le premier jeu en rapport avec les JO d'hiver. Mais sinon, oui, c'est la suite du coup de Athènes 2004, du coup, la suite du Mégathlon. Bon, on va essayer de pas. Ah, merder notre départ, mais. Bon départ. Ça aurait pu être mieux. Bah, il dit que j'ai été irréprochable. Bon, bah, ok, c'est peut-être pas si mal alors. Alors, le truc, c'est donc d'arriver jusqu'en bas sans se casser la gueule. Ça, c'est l'explication simple des règles, en fait. L'explication un peu plus sophistiquée, c'est également d'arriver en bas en faisant un bon temps pour être bien classé. Voilà. On va voir, c'est... Le temps intermédiaire est excellent. Absolument. Alors, on est en avance. Ultra rapide jusqu'à présent. On est en avance pour l'instant. Alors, c'est possible que vous ne m'entendiez pas commenter sur certaines séquences de jeu. Putain. Vu que je serai, comme vous pourrez le comprendre, concentré sur le gameplay du jeu. Oh. Ah, plein dans la porte. Oh là là, oh là 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 là. Oh, c'est ok, c'est pas très très bon là ce qui vient de se passer. Et il emmène la porte avec lui. Attention. Putain, je vais terminer dans un sapin moi. Cette vitesse. Faut remarquer déjà une première chose. Enfin, j'ai perdu 2 centièmes. Il y a peut-être moyen de les récupérer. Mais j'allais dire, là déjà, on peut remarquer la sensation de vitesse. Je sais pas si pour vous, sur le live de YouTube, vous arrivez super, à bien super. Le ressentir. Mais moi, sur mon écran, là, directement sur l'écran du jeu, j'arrive quand même à bien sentir
les comment dire la l'immersion voilà, par rapport à la vitesse. C'est vraiment pas mal foutu. Alors je crois qu'on était en avance, putain, ça déconne pas là. Je crois qu'on était en avance au dernier passage. C'est une prestation impressionnante qu'il nous a présentée aujourd'hui. À la deuxième. Ouais. Ça aurait pu être un peu mieux, mais j'ai senti que j'ai foutu un peu la merde. Ça, on va dire vers la fin, là, ou, enfin vers le milieu plutôt, là où je suis sorti des lignes. Là, c'était, ah, c'était assez coton à ce moment-là. J'ai failli terminer dans une palissade. Je regarde le tournoi destination. Comme ou JO d'hiver. Ben, comme... Ouais bah c'est un jeu sur les JO quoi, en tout cas oui c'est si c'est ce que tu voulais dire Victor. Et on a réussi à faire le deuxième temps sur le tableau des records. Enfin le deuxième score du coup, bah génial, ok. Et on va prendre du coup. Ah c'est déjà fini. Ah d'accord, parce que sur certaines épreuves il y a deux passages en fait. Et apparemment non pour le ski alpin descente c'est un seul passage. Bon. Dommage, j'aurais voulu essayer d'améliorer sur un deuxième passage potentiel, mais on va prendre déjà la médaille d'argent. C'est quand même pas mal pour commencer ces JO déjà. Une petite médaille d'argent. C'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire pendant ma petite entraînement une heure avant de commencer ce live où j'étais en train de. J'aurais dû l'enregistrer ce moment-là parce qu'il était quand même assez collector. Je crois que c'était sur cette épreuve-là de la descente justement en ski alpin. Je suis arrivé à toute bombe et à la fin j'ai perdu le contrôle et en fait je me suis éclaté contre le mur, mais juste le mur, vous savez, qui sépare bah. La piste de l'autre côté, après la ligne d'arrivée, vous voyez, genre la barrière derrière laquelle il y a, j'imagine, des photographes ou des trucs comme ça, quoi. Je me suis envolé d'une manière extraordinaire, quoi. Ah, c'était tellement tordant. Je regrette de ne pas avoir enregistré ça. Mais là, déjà, c'est pour vous dire, hein, cette médaille d'argent est déjà presque un peu inespérée. Espérons qu'on arrive, du coup, à continuer comme ça sur les prochaines épreuves. Il n'y en a que 15, encore une Bonjour, fois, donc on n'a pas énormément droit à l'erreur. Hein. De compétition de Surtout, César Lapariole. Qui a une discipline à qui est vraiment mais impossible. Le impossible, mais je vous en parlerai un peu plus tard quand on avancera jusqu'à cette épreuve en question. Non, je vois pas, non, Victor, non. Je vois pas pourquoi, mais si tu veux la chanter, écoute, je t'en prie. Ah, je suis musicien, certes, mais pas chanteur. Attention au départ. Oh le perfect. Le perfect. Départ, techniquement. Alors parfait. Normalement à la luge il y a deux passages. Super. Allez. Et vous allez voir cette épreuve là, celle de la luge avec celle du bobsleigh également, qui se déroulera de toute façon bah, sur la même piste sur laquelle on est actuellement. Très bon temps intermédiaire. Elles sont vraiment extraordinaires en termes de sensation de vitesse. Et là encore, on va pas vraiment vite. Hein. Vous allez voir après quand on sera dans un bobsleigh, dans un bob à 4. Ah, ça, c'est un truc de dingue. La vitesse, on a l'impression qu'à tout moment, tu peux dérailler et te mettre en orbite. Quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Il éclaire la paroi. Pas de problème, ça ne leur aura pas coûté beaucoup de temps. Ah, je perds un peu de temps, mais je suis toujours en avance grâce à mon départ de tout à l'heure. Là, faudrait construire de l'avance. Ça y est, on construit. Ouh, ça a raclé un peu, mais ça va. 1 minute 63. Excellent résultat. Bon. Difficile de faire mieux. On va voir ce que ça vaut par rapport aux autres, par rapport à l'IA. Apparemment, selon les dires du commentateur, c'est pas dégueu, apparemment. Ouais, on va voir. Hein. On va voir ça. Ah, tu fais de la luge pour enfants. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais j'avoue que ça me brancherait bien. Enfin, en soft, hein, je veux dire, pas le truc. Enfin, j'aimerais bien être à la place du. Ah, j'ai fait un nouveau record. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai réussi un défi. Ah, d'accord, ok. Je sais pas, ça me débloque quoi, mais bon, je l'ai réussi en tout cas. Et il y aura bien un deuxième passage du coup. Moi, la luge, c'est un truc que j'aurais bien Toutes voulu faire. Félicitations. Dans ma vie. On a de nouveau. Mais en soft, quoi, pas comme eux le font, enfin même oui. Si j'aimerais bien en vrai, mais vu les vitesses que tu atteins, c'est quand même dangereux quoi. Non mais je me souviens, je crois que c'était justement pendant les JO de Turin en plus, qu'il y avait eu un lugeur malheureusement qui s'était tué. Ah merde, là le départ il était pas aussi bon. Très que bon départ, pour le premier run. Difficile de faire mieux. Mais qu'il y a un lugeur qui s'était
Tu es malheureusement sur une épreuve justement de descente en luge là au JO. Oui, attention. C'était justement à Turin à l'époque en 2006. Bon après je me souviens plus trop exactement, je laisserai chercher pour ceux qui ont envie. Mais bon voilà, pour dire que la luge, c'est quand même un sport qui est bien dangereux en fait. Ah ouais, hein, je me demande d'ailleurs qu'est-ce qui a donné ce déclic à ces personnes de se dire ouais moi je vais être lugeur professionnel. Ouais. Ah mais parce que ce serait vraiment l'éclate quand même hein, de réussir à faire là comme eux ils font. Parce que là même en jeu vidéo moi je. Le premier run c'était ça allait, mais le deuxième là il pue la merde, j'ai 2 secondes 12 de retard quoi. Putain. Ah je sais plus pilote. Je récupère du temps. Allez, on donne tout. Allez, mais il faut pas frotter le mur sinon on perd du temps là. Ouais, ça sera pas bon, ça sera pas bon. Oh, et on a mis 3 secondes 80 en plus. Ouais, on n'aura pas la médaille d'or. Là, on n'aura pas la médaille d'or. Ce sera à tous les coups la médaille d'argent, sinon de bronze, je dirais, mais ouais, dommage. Ah non, oh putain la vache, oh ça s'est joué de peu, hein. On est resté premier, mais de moins de 2 dixièmes quoi. Pour moins de 2 dixièmes, on a tenu la première place. Oh excellent putain. Et en plus, on établit bah, le record de la piste, le record de la discipline, je sais pas, j'ai établi un record en tout cas sur le tableau à côté qu'on a vu. Allez, on va déguster cette remise des médailles, cette cérémonie du podium. Hein. Ah, on va la déguster. Ah ouais, non. Je sais pas combien de médailles d'or je pourrais ramener, mais notamment quand il y a une médaille d'or qui rentre, les podiums je les laisse en entier. Alors je comprends pas, l'allemand il est troisième mais il est sur la deuxième marche du podium. Il y a eu un petit problème là, il y a un petit bug au niveau du jeu. On a inversé le deuxième et le troisième sur le podium. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Et bien sûr, nous-mêmes, Cornolio. Champion vainqueur de l'épreuve de la luge sur glace. Ouais, cela va de soi. Bon, on continue. On va attaquer donc la troisième épreuve de notre mégathlon qui est le saut à ski petit tremplin. Car il y aura, oui, un grand tremplin qui viendra forcément du coup après. Et bon, le gameplay c'est assez similaire entre le petit et le grand. Hein. Même d'ailleurs, c'est complètement la même chose, mais c'est de réussir en fait à avoir le bon timing à chaque fois. Bonjour et bienvenue à l'épreuve de saut à ski. Vous allez voir ce que je veux dire. Il est en super forme. Il ne lui reste plus qu'à la mettre en pratique pour la course. Bon. Le vent nous est de face. On peut le voir au drapeau à côté de nous. Tant pis, on va y aller comme ça. Très beau saut. Quel oh là 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 là. Oh putain. C'est une prestation impressionnante qu'il nous a présentée aujourd'hui. Oh, c'est extraordinaire, je pensais pas que j'allais réussir à faire un saut aussi long quoi. Non mais parce que quand je me suis entraîné un petit peu plus tôt avant, comme j'ai pu déjà vous dire, j'ai merdé partout. Et là, l'une des épreuves que je redoutais un peu, c'est le saut à ski. Parce que là, il faut que t'aies le bon timing pour faire un truc vraiment bien. Et dès le premier saut, oh yes. Attention, hein, c'est pas fini, hein. Il y a un deuxième passage et les scores sont cumulés hein, pour l'épreuve du saut à ski. Bah, je crois même d'ailleurs pour toutes les épreuves, c'est ça en fait, c'est on cumule les deux passages. Donc on est obligé de faire un truc bien sur les deux passages, sinon c'est rédhibitoire, comme on dit. Bon, c'est parti, le deuxième passage. Le comportement des supporters de tous les pays. Salut Oaz, comment vas-tu? Une véritable atmosphère olympique. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ah oui, on ça faisait plus un bail que je te revoyais plus. En tout cas, sois le bienvenu ici. J'espère que tu vas apprécier ce spécial Mégathlon volume 2. Attention, on est parti. Le vent nous est favorable cette fois-ci. On a le vent dans le dos. Et la petite caisse juste avant de s'envoler. Hop là pour donner un petit coup d'impulsion juste en bout de ligne. Voilà, hop. Félicitations pour cette fantastique prestation. Ah, le deuxième saut il est moins bon que le premier quand même. Hein. Mais apparemment ça a nettement suffi hein, vu l'avance que j'ai. Bon, j'ai pas établi un nouveau record par contre sur cette discipline là, mais néanmoins on a. Ah en fait c'est bizarre, sur le deuxième passage tout le monde a fait moins bien. Ah, c'est un peu inattendu ça, bon ok. Et du coup, on a notre deuxième médaille d'or. Ah, là la machine se met en route apparemment, c'est pas mal ça, c'est pas mal.
Espérons que ça continue, hein, parce qu'il faut faire gaffe aux points à côté du classement. C'est vrai, je vous en ai pas parlé, mais sur la prochaine épreuve, je vous en reparlerai du classement avec le système de points qui est à côté, parce que il faudra surveiller particulièrement ça. Hein, parce que les médailles, on va dire, c'est bien, mais c'est pas ça qui définit notre classement, mais c'est les points à côté, en fait. Très longtemps, je te kiffe. Ah bah merci, c'est gentil, Oise. Ah, ça fait longtemps effectivement que je t'ai plus revu, mais ça fait plaisir de te retrouver d'autant plus après tout ce temps, du coup, en plus. Je sais pas si tu as vu, mais... Oui, Victor, j'ai vu, t'inquiète pas. J'ai vu, mais tu comprendras que j'ai pas relevé le message. Je trouvais pas ça forcément pertinent à ce que je reprenne ça en live, tu vois. Je pense que tu peux comprendre. Patinage de vitesse, ah bah tiens. C'est la fameuse, enfin je vous parlais d'épreuves un peu chiant, un peu galère, un peu compliqué. Je vous ai parlé un peu du Swaski, mais finalement bon, c'est passé. Celui-là par contre, patinage de vitesse, qui est une épreuve super en vrai IRL, hein, quand ça passe pendant les JO, c'est vraiment une épreuve qui est vraiment sympa à regarder. Et dans ce jeu, vous allez maudire cette épreuve. C'est la plus pire des disciplines qu'on a dans ce jeu. Et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, celui-là, ils l'ont mis 3 fois dans le mégathlon. Ah ouais, 500, 1000, 1500 mètres. Voilà. Démerde-toi avec ça après. Génial. Ah, attendez. Alors, je fais pause, mais je me permets parce que il faut que je trouve un truc, genre un t-shirt, un briquet, quelque chose, parce que là, je vais devoir user de la fameuse technique à l'ancienne qu'on utilisait sur Track and Field ou même déjà avant sur Athènes 2004. Qui est de atomiser les boutons de sa manette. Et pour éviter de se blesser, c'est toujours mieux voilà, d'avoir un t-shirt sous la main plutôt. Alors, mieux vaut éviter les brûlures quand même, ça peut vraiment faire mal. Allez, c'est parti. Alors, il faudra faire ça juste au début. Hein. Allez hop, c'est bon, c'est verrouillé. Et attention, rapide. Et voilà, c'est parti, le début de l'enfer. Et le truc, faut être synchro, faut appuyer, maintenir la touche. Oh putain, je fais que de la merde. Faut appuyer et rester appuyé jusqu'à qu'on remplisse la jauge donc avec putain. Bon, vous avez compris, hein. Je vais essayer de me concentrer. Elle est beaucoup trop déportée vers l'extérieur. Ça va lui faire perdre du temps. Putain, c'est trop dur. C'est trop dur cette daube. C'est impossible. Avec ce temps. Inutile de rêver d'une place au podium. Oh, ouais, d'accord. Le podium est carrément inaccessible d'après moi. Oh la vache, et le meilleur temps c'est genre 0,37 quoi. Moi j'ai fait 0,42. On va pas remater le replay. Ça en vaut pas le coup ici. Il y a un deuxième passage. Hein. Ah, parce que pour 2 fois plus de plaisir, toujours. Allez, hop, attendez, merde, mon t-shirt. Dommage car tu étais à 1. J'ai été à 1 par rapport à le patinage de vitesse. Je te verrais bien en artistique. Ah, c'est vrai que je pourrais avoir l'étoffe quand même, j'ai envie de dire, d'un camp d'Euro. Enfin, en tout cas, pour peu, j'aurais sa coupe, en tout cas. Mais je n'ai pas la même grâce, je dois dire. En vrai, moi, je pense que je... Ouah, qu'est-ce que... En fait, non, mieux. En fait, je ferai rien sur des patins. J'ai essayé de trouver un truc bien sur des patins que je pourrais faire, mais non, en vrai, rien, en fait. Le simple fait de me mettre sur des patins serait assez dangereux, quoi. Ah non, mais je pourrais faire comme tout à l'heure, hein, quand j'ai fait la descente en ski alpin. Merde. Alors, c'est pas évident de parler en même temps que de faire cette épreuve-là, hein, vu que c'est un truc vraiment de rythme. Putain, je fais que de la merde. Oh là là, ça m'énerve. Mais de valdinguer au loin dans le décor et d'atterrir sur les photographes derrière, quoi, tu vois. Ça ferait pas bonne presse pour l'équipe nationale. Bon, on est dernier sans surprise. Putain la vache, hein, qu'est-ce qu'ils ont mis des points là. Nous on a mis à moins de 4000 et les Russes là ils ont rentré 10 000 points. Oh la vache. Je pense que là au classement on a dû bien descendre. Ah hein. Oh, merde. En plus, c'est le truc, il y a 3 fois cette épreuve-là, quoi. C'est trop chiant. Et là, si vous trouvez que 500 mètres, c'était déjà trop long, attendez de voir qu'on va arriver aux 1500 mètres. Ce sera un putain de calvaire. Oh, fais chier. Bon, c'est pas grave. On va essayer de garder espoir pour réussir les prochaines et peut-être qu'on pourra
finir dans le top 3 général à la fin des 15 épreuves. Je vais vous lire un petit peu avant de passer du coup directement à la prochaine, pour voir vite fait si j'ai pas raté des messages. Comme consultant sportif, oui, totalement. Candelo Rowe, d'ailleurs, il est sur place à Pékin, me semble-t-il, justement, pour assurer les commentaires sur les épreuves justement de patinage artistique. Et on a eu d'ailleurs un petit peu plus tôt dans l'après-midi, justement, ça a déjà commencé, les premières épreuves. Et donc il est sur place là-bas avec l'équipe de consultants, bien sûr, habituels qu'on connaît chez France Télé. J'ai pas regardé, j'étais classé combien, fais chier, bon c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller. J'allais dire, néanmoins, j'avoue que Gérard Holtz et toute sa clique à l'époque me manque. J'avoue que Nelson Montfort est encore là, heureusement. Mais espérons qu'il puisse l'être encore, même pour les JO de Paris en 2024, ce serait super. Vraiment, ce serait vraiment l'éclat. Chez les hommes, c'est normalement, il devrait pas quitter France Télé. Compétition de Salt Lake City. Je après pense pas qu'il y aura de problème. Individuel, il a j'étais même fait gagner l'équipe. Ah ok, d'accord. Mais tes vidéos sont en semaine. Déjà, je publie pas trop, mais c'est souvent plutôt le week-end en vrai, Oise. Enfin, ça m'arrive de publier. Alors c'est vrai, ces dernières semaines, c'était plutôt le mercredi que ça tombait les publications. Mais sinon, c'est plutôt le week-end que j'essaie de publier ou même faire des lives. Enfin, c'est plus simple quand même pour tout le monde en fait, du coup. Ça change de Ziggetto, ouais, totalement. Bon, on est paré, c'est le biathlon. Alors pour rappeler, le biathlon, on aura une phase. C'était le signal comme, de départ pour ce qu'on va faire là, par lequel qu'on va commencer tout de suite, donc une phase de ski de fond. Là maintenant, bonne cadence. Et ensuite, après avoir fait, on va dire, un tour de piste, on aura une phase de shoot. Et ce sera des shoots à faire. Pour ceux qui ont déjà vu le biathlon, vous savez à quoi ça ressemble. Sinon, pour expliquer, vous aurez la première phase de shoot. Où vous serez couché, soit à la hauteur. Couché genre ventre au sol. Allez, j'ai perdu du temps, là c'est pas très bon. Et il y aura ensuite un deuxième passage où vous devrez tirer en étant debout. Et autant de ce que j'ai pu faire pendant ma phase d'entraînement avant donc de faire ce live. Vas-y, accélère, sprint. Sa course de fond est très convaincante. Fais pas des trucs comme ça là. Si elle continue. Oh la vache, vous avez vu ce qu'elle a essayé de me faire là? Elle m'a essayé de me take down comme si on était en burn-out. Ouais, c'est bon, on repart. Alors le gameplay par rapport à cette épreuve là, c'est vrai que je voulais pas expliquer, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Parce que bon, le truc est assez simple, je vais essayer de vous l'expliquer en vite fait là. Faut maintenir le bouton X mais pas aller dans la zone rouge. Voilà, fin de l'explication. Voilà un bon. Une super prestation. Dans le mille. Quand on est couché, c'est plus facile. Vous allez voir après quand on sera debout, ce sera la merde. Super. C'est pour ça que là j'ai essayé d'enchaîner assez rapidement. Pour vraiment gagner du temps au maximum sur cette phase là, pour pouvoir derrière l'utiliser, pour pouvoir être plus précis sur la deuxième phase de shoot qu'on aura. Ah oui, et puis aussi au niveau de la jauge en bas, si, merde, vous voyez qu'il y a un petit curseur vert qui apparaît des fois sur la jauge. En fait, faut remplir la jauge jusqu'à ce curseur pour bénéficier d'un boost. Voilà, c'est sorte de jauge de sprint, la jauge verte qui s'enclenche à ce moment, et le sprint se déclenche automatiquement une fois que la barre repasse de nouveau de l'autre côté du curseur vert. Là, on sprint. Ah oui, on est pas mal là. Elle avance à très grande vitesse maintenant. Et du coup, après, elle risque de perdre ses forces bien plus rapidement. J'ai failli partir dans le mur. Ça risque de se ressentir aussi au niveau du tir. Ah, j'ai perdu du temps là, c'est pas bon là. J'ai fait un grand détour là. Ah, j'ai mal pris le virage, c'était dégueulasse. Et je disais, je sais même plus. Oui, bien sûr, à faire gaffe du coup derrière, parce que le temps que ça remonte dans le bleu, la jauge rouge, elle, continue de monter. Bonne course jusqu'à présent. Et si on a trop de rouge, par exemple, au moment où on arrive devant les stands de tir, on va manquer énormément de sang-froid, on va beaucoup trembler. Très bien. Ce qui rend les choses forcément beaucoup plus difficiles, vous pouvez l'imaginer. Oh, enfoiré, putain. Et de deux. Dans le mille. Allez.
Yes, et encore allez. Dans le mille. On a pris 5 secondes. Elle s'en remet. Il y a moyen. On a eu 10 secondes tout à l'heure au précédent pointage. On a eu 10 secondes d'avance. On peut la gagner encore. On peut la gagner. On a concédé un petit peu, mais normalement, on avait eu une marge d'avance qui était déjà suffisante pour compenser au moins une pénalité. On va voir. Ça va jouer maintenant, c'est le sprint final. Allez, 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 voilà. Je cherchais le boost, le sprint. Attention, je passe. Hop là. Le chauffard, quoi. Je pense qu'on est pas trop mal, là. Je pense qu'on n'est pas trop dégueu, là. Un bon résultat. Elle sera parmi les premières. Alors, parmi les premières. Alors, est-ce que ça sous-entend que j'ai pas réussi à finir premier? Ce serait pas impossible. On va voir, on va voir. Et ouais, alors, en même temps, en vrai. Ah non, ça m'a vraiment ken. Ah, ça m'a vraiment ken les 5 secondes. Ah merde. J'aurais pas eu la pénalité à la fin. J'aurais pas eu la pénalité à la fin, j'étais devant. Il me semble, hein, ouais, si je calcule bien. Enfin, je sais pas, il me semble que j'aurais été devant en tout cas. On va revoir. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'une pénalité qu'on rate un tir, c'est 5 secondes de pénalité. Donc si je retire 5 secondes à mon temps, ça me fait que, 4 minutes 2.31. J'aurais été médaille d'or de pas grand-chose, quoi. Ah, merde. Dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, voilà, c'est le sport. C'est comme ça. Ça arrive. Fallait bien que notre série de médailles d'or finisse par s'arrêter au bout d'un moment, mais je prends quand même la médaille d'argent. C'est quand même sympa. Alors, je vais vous laisser un petit instant le podium, histoire de moi aussi de boire un coup. Et en même temps de surveiller si ça lag pas sur le live. Parce que moi ça m'inquiète hein, à chaque fois de voir ce truc qui tourne là sur la prévisualisation de YouTube. Enfin ça le fait de temps à autre, mais bon, ça m'inquiète quand même. J'espère en tout cas que vous avez pas trop de problèmes vous de votre côté. Alors, les Russes sont en tête avec 45 000 points. On est derrière avec 4 000 points. C'est pas beaucoup. En vrai, on peut remonter, mais il faudrait qu'on ait un petit coup de pouce de la chance également, un petit coup de pouce du destin. Si les Russes pouvaient merder sur une épreuve, ce serait sympa. En attendant, on reste deuxième quand même du classement, mais à faire gaffe. On va attaquer le Super G. Ça aussi, ça va être une épreuve de haute volée, j'ai envie de dire. On va atteindre des vitesses de dingue. Va falloir avoir une concentration extraordinaire également. Aïe, 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 aïe. Bienvenue à l'épreuve du Super G de Sestrières-Bordeaux. J'essaie de me remémorer la piste du Super G parce que pour chaque cette saison, il est vraiment super. On va dire catégorie. Et on avait fait la descente, là on fait le Super G avec une médaille olympique. Bien entendu, il veut de l'or. De l'or, bien sûr. Oui, bien évidemment, de l'or. Je disais, chaque piste est différente par rapport à l'épreuve qu'on fait en ski alpin. Donc là, la piste qu'on va avoir, ce sera une piste totalement différente, hein. Ou pratiquement. Ouais, pas terrible, pas super terrible départ. Tout ça, mais bon. On va s'en contenter, en espérant maintenant qu'on ait un petit peu de bol aussi. Le temps intermédiaire est excellent. Absolument, une course ultra rapide jusqu'à présent. Légèrement derrière, mais on n'est pas loin. Oui, oui, oui. Pas mal. Très bien. Désolé, hein, je parlais plus, mais là, c'est que je suis concentré. Et il emmène la porte avec lui. Attention!
Allez, dites-moi qu'il est bon le temps. Dites-moi qu'il est bon. Il est bon. Yes. Oui, avec cette forme, il 1-12-36. On passe en tête d'un rien. Oh, excellent. Ah, vous avez pu le sentir certainement. Là, j'étais en full concentration. Là, clairement, là, j'étais focus sur mes trajectoires. Mais ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Il n'y avait pas d'autre choix pour faire un temps. Ça veut dire aussi bon, en tout cas pour moi, je suis pas un PGM de ce jeu, hein, loin de là. Hein. Je reprends tout juste à peine, mais là, je vous avoue, vu que ça joue à pas grand-chose, je suis content. Je suis content. Oh, yes. On va profiter un peu de la cinématique, enfin du replay, je veux dire, pour se rafraîchir un petit coup. Ensuite, assister au podium. Oui, je me permets encore une fois, hein, comme j'ai pu le dire, de laisser les replays, les podiums, voilà, dans la mesure du possible. Donc un peu plus souvent que d'habitude quand même. Enfin même si en vrai je pense que je suis du genre à souvent les laisser en vrai. Mais vu que ce jeu encore une fois ne propose pas beaucoup d'épreuves, hein, il n'y a que 15 épreuves dans ce mégathlon pour ce mégathlon sur Torino 2006, et ben du coup on meuble un petit peu comme on peut. Je ferais un super commentateur de sport même à la télé. Bah, j'apprécie, c'est gentil. C'est... J'avoue que j'aimerais bien un jour rencontrer le grand Nelson Montfort, un grand homme. J'avoue que ce serait pas mal. Mais j'apprécie le complément, c'est gentil Victor. On a donc remporté cette épreuve du Super G, on a gagné 10 150 points, les Russes ont fini dernier. Les Russes ont fini dernier. Potentiellement, on repasse en tête du classement général. Attention. Ah, ok, on le saura pas tout de suite. Cérémonie du podium, c'est vrai, merde, je croyais qu'on l'avait déjà passé, ce truc-là. Bon, comme c'est la médaille d'or, on va la laisser aussi, voilà, bon, voilà. Non, mais il y a le temps, il y a le temps, on est qu'à 30 minutes de live, en vrai. Hein. Oh non, si, on est déjà à la cinquième épreuve, hein. On a déjà fait un tiers. Hein. On a déjà fait un tiers du mégathlon, donc... On va essayer de le rallonger. Hein. Il me semble que d'ailleurs, alors que oui, Cornolio remporte la médaille d'or pour cette descente du Super G en ski alpin, il me semble que, j'allais dire, pour ces JO, Martin Fourcade n'y participe pas. Il me semble qu'il a pris sa retraite depuis quelques années déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Martin Fourcade, alors qu'on est bien passé en tête du championnat, enfin du classement du mégathlon. Martin Fourcade, qui est un grand biathlète, un grand skieur de fond également, qui a remporté je ne sais combien de titres mondiaux et de titres olympiques. Il nous en a fait des, vraiment des belles, hein, sportivement. Ah, des belles perfs, un beau palmarès. À l'épreuve de saut à ski du grand tremplin de Fragelato. Après, je pense qu'il pourrait toujours participer au JO, mais par rapport il à été son âge, de ça manière va, optimale à cette épreuve par dire... son entraîneur au cours des derniers mois. Oui, ces deux-là ont fait du bon travail. Reste à voir si ce sera suffisant pour une médaille. Je vous laisse le speech des mecs, des commentateurs. J'essaie d'y penser à chaque fois pour éviter de parler par-dessus tout le temps. Mais je disais, ouais, par rapport à son âge, je pense qu'il a encore de beaux restes. Hein. Comme Sébastien Loeb, hein. Ou Sébastien Ogier, qui est fraîchement retraité. Hein. Sébastien Loeb, il est retraité depuis déjà pas mal d'années du WRC, mais quand il revient, il joue souvent les avant-postes s'il ne gagne pas le rallye derrière. Quoi. Bon, on est parti. Alors, le vent nous est un peu de travers. Bon, on va essayer de se débrouiller. Oh, il y a eu le freeze. Le cirage me semble être bon. Oh, il y a eu un de ces freezes qui est arrivé. Putain, la vache, j'ai essayé de gérer comme j'ai pu. Ah, excellent résultat. On est devant. Difficile de faire mieux. On est devant. Bon, c'est un saut de merde, hein, quand même. 84 mètres. Ah, c'est pas terrible. Hein. Mais je comprends pas. Des fois, on fait... En plus, on est sur le grand tremplin. Je comprends pas. Normalement, on devrait faire des sauts qui font plus de 100, 120 mètres à chaque fois. Ah non, on a fait un saut qui est même pas digne du petit tremplin. J'avoue que je comprends pas des fois les... répondre aux attentes qu'on a placées en lui. Ah, c'est le vent. Nous le saurons bientôt. C'est peut-être le vent, c'est peut-être ça qui a fait que... Ouais, que tout le monde a eu un mauvais vent et c'est pour ça que ça a foutu la merde. C'est peut-être ça. Enfin, je sais pas, j'essaie d'émettre des hypothèses. Super vitesse au départ. Tranquille, 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 mon coco!
Putain! Ah merde! Oh, ça aurait pu être tellement bien! Aïe aïe aïe! Putain, la réception! Putain, je me suis réceptionné sur le Hulk! Oh, c'est pas vrai! Ah, c'était un saut extraordinaire que j'avais fait! Oh, il était magnifique! Il était tellement bien parti, mais je partais jusqu'au centre-ville! Oh, c'est pas vrai! Bon, on va quand même remater, voilà, l'erreur fatale, c'est même pas le cul, c'est la main. En fait, je me suis réceptionné un poil trop tard. Et il s'est réceptionné sur la main et c'est rédhibitoire. Et bon, je finis quand même deuxième, ce qui est assez incroyable au bout du compte, quoi. Parce que normalement, ça aurait dû me mettre carrément loin dans le classement, mais même l'IA, apparemment, a foutu la merde. Ça aurait pu être pire, mais bon, là, c'était quand même une potentielle médaille d'or, là, qu'on vient de laisser passer, là. Aïe aïe aïe. Bon. On aura plus de chance sur les prochaines. J'espère. Alors pour la petite anecdote, alors dans le jeu, je pense pas que ça soit forcément représenté à l'image de ce que serait dans la réalité, mais après peut-être, je ne sais pas. Mais par rapport justement, bah, vous savez, dans les JO, il y a toujours des pays qui sont un peu plus forts que les autres. Pour les JO d'été, bah, c'est souvent les Américains avec la Chine et l'URSS. Enfin, autant de l'URSS. C'était les trois gros prétendants vraiment aux médailles d'or sur les JO d'été. Oh putain, le retour du patinage de vitesse. Oh putain de merde. Oh, on va souffrir encore. J'ai tellement pas envie de la faire en plus, quoi. J'ai tellement pas envie de faire cette merde. Mais pour finir ce que je disais, bienvenue à je vais vous dire après qu'il est fini de poser l'autre. De vitesse de l'Oval Lingotto à Turin. Oui, il merci. Semblerait que le patinage de vitesse soit développé dès le XIIIe siècle en Hollande. Absolument, les premières compétitions oui. ont-elles aussi eu lieu en Hollande. Ce n'est qu'au XIXe siècle que ce sport s'est répandu dans tout le reste de l'Europe. Absolument, merci Gérard pour cette intervention pertinente. Non, c'est bien, on a quelques petits faits historiques comme ça qui est raconté sur les sports en question qu'on a dans le jeu. C'est quand même sympa finalement, les petits commentaires qu'on a comme ça également. Mais je voulais dire, je sais plus. Voilà, je vais du coup prendre un t-shirt pour éviter de me blesser, même si je sais que je vais encore perdre sur cette épreuve. Oh là là, 1000 mètres, c'est genre 2 tours en fait. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que. Non, même pas. C'est 250. Du coup, 1000. Oh putain, il y aura 4 tours. Oh la vache. Oh mon dieu, au secours. Un bon départ. Enfin, on fait ce qu'on peut. Bon, je vais essayer de me concentrer pour essayer de faire les choses bien quand même un peu, un minima. Et je vous retrouve après l'épreuve, hein, du coup. Quoi ? Mais comment il a fait pour aller aussi vite, l'autre ? Putain. Aïe, ça va être difficile de rattraper ce retard. Oh ta mère. Encourage-moi à la place, me dis pas des trucs comme ça. Compliqué. En plus, vous pouvez remarquer que la taille des jauges varie. Elle se module en fait selon les endroits de la piste où on est. Oui. Là, vous voyez qu'elle se rétrécit, que le rythme devient plus speed quand on est en plein virage. On est trop loin de la ligne idéale. Forcément, c'est logique, on doit patiner. On doit avoir une cadence de patinage, si on peut dire, plus élevée, forcément en virage qu'en ligne droite. Et du coup, cela influe également sur le gameplay. Qui quelque part aurait pu être un bon point si déjà le gameplay de cette épreuve n'était pas autant à chier. Mais c'est bon, ça fait 4 tours là, non ? Voilà. Ça peut faire beaucoup mieux, je ne me connais pas comme ça. Oh la vache. Avant j'avais combien d'écart de seconde avec l'autre ? 5 ? En étant sur 500 mètres ? Bah, je viens de passer à 7 secondes. Aïe aïe aïe. Ah bordel. Bon non mais de toute façon... Ah, je me donne vraiment beaucoup de mal pour finir dernier. Ah non, ça va. Il n'y a pas de deuxième passage. Il y a un seul passage en 1000 et 1500 mètres apparemment. Du coup, automatiquement, j'imagine. Donc, yes. Yes. Ah, franchement, j'avais pas envie de me farcir encore 1000 mètres derrière. Bon, du coup, on perd encore énormément de points. C'est pas terrible. Mais bon, on va essayer de finir quand même sur le podium, on va dire. Au niveau du classement général.
On essaiera de finir quand même sur le podium à l'issue des 15 épreuves qui composent ce mégathlon. Ce serait pas, quand même pas mal. On va dire au moins que ça rajoute comme ça un certain suspense également en même temps. Et je disais, oui, ça me revient maintenant, par rapport justement aux pays qui sont assez dominants dans les JO. Pour les JO d'été, donc ce serait plutôt voilà, maintenant aujourd'hui les États-Unis et la Chine. Et aux JO d'hiver, historiquement, ça a toujours été plutôt les pays un peu scandinaves, nordiques, en fait, notamment la Norvège, me semble-t-il, si je me souviens bien, la Norvège qui, je crois, est détentrice de records du nombre de médailles obtenues, du nombre peut-être même également de médailles d'or obtenues au cumulé sur les JO d'hiver depuis qu'ils y participent. Bon, après, voilà, je vous donne des infos qui sont approximatives. Si vous voulez affiner, vous irez chercher par vous-même. Mais pour vous dire, voilà, les pays scandinaves nordiques sont assez balèzes aux JO d'hiver. Ça, ça ne surprendra pas beaucoup. Mais que parmi tous ces pays, c'est la Norvège vraiment qui est le pays le plus balèze. Alors qu'on va attaquer à présent le combiné nordique. Donc, le combiné nordique, c'est deux épreuves en fait qui composent le combiné nordique en lui-même. C'est le saut à ski avec le ski de fond. Donc du coup, pour réussir à bien réussir cette affaire, faudra qu'on réussisse à réussir notre saut et le ski de fond derrière. Vu que les deux, encore une fois, sont cumulés. Bon, allez, c'est parti, on a le vent de face, mais tant pis. Le vent de dos aurait pas été plus mal. Oui, joli saut. Télémarque, parfait, optimal selon moi. Bon, il est bon, j'aurais pu même aller encore plus loin. J'aurais même pu aller encore plus loin, mais j'essaie de limiter les risques. Ah non, déjà, depuis ce qui s'est passé sur le précédent saut à ski, maintenant, j'ai réduit ma marge, on va dire, de prise de risque. Voilà, j'ai agrandi ma safe zone. Voilà, j'ai sauté un petit peu avant le bord. J'essaie de garder l'équilibre et je sentais que ça commençait un peu à devenir tendu sur la fin. Du coup, j'ai préféré atterrir rapidement pour mettre un terme au saut. Et on va enchaîner direct derrière donc sur la partie ski de fond pour compléter cette épreuve du combiné nordique. Du coup, voilà, j'ai pas voulu prendre de risque, atterrir tout de suite derrière, 124 mètres. Je me suis dit, c'est quand même suffisamment énorme pour être premier. Ça a été le cas. Maintenant, il va falloir gérer sur le ski de fond. Je vous avoue que je suis un peu plus confiant sur la partie ski de fond, mais bonjour, attention à l'excès de confiance. Bienvenue à l'épreuve de ski de fond du combiné nordique de Pringelato. Cette saison, il est vraiment super fort. Et aujourd'hui, il veut couronner la saison avec une médaille olympique. Bien entendu, il veut de l'or. Non, pour le coup, ça, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu, pour le coup, mais écoute. Non, ils sont gentils, nos amis russes, voyons. Non, faudrait pas se mettre la mafia à dos derrière aussi. Ce serait pas un bon plan. Bon, on est parti pour cette épreuve. Il a une bonne cadence en ce moment. On attend que la jauge redescende bien, c'est bon, on repart. Très bonne cadence en ce moment, très en force. Là, on est pas mal, on est pas mal. On renvoie. Bonne cadence dans cette section. Il ne faut pas qu'il brûle toutes ses forces dès maintenant, sinon il aura du mal sur la fin. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, mon cher Gérard. Je connais ce skieur de fond et il regorge de capacité. Vous allez voir ça tout de suite. Vous allez en être si je puis en mettre sur le cul. Mais il faut qu'il répartisse ses forces convenablement. J'arrive même à entendre genre mon cœur battre quand je suis trop dans le rouge. Le temps intermédiaire. 5 secondes d'avance. Oui. On est vachement bien. Bon, attention, pas crier victoire trop vite encore, mais pour l'instant on est yimbe. On est yimbe. Hop, on balance un petit sprint. En plus, c'est génial, c'est qu'il y a le truc qui est génial, c'est qu'il y a personne devant moi en plus. Personne pour me gêner. C'est ça l'avantage, voilà, quand on réussit l'épreuve de saut, c'est de partir devant tous les autres. Et donc du coup, d'avoir le champ libre, qui est quand même un gros gros plus. Là. Vu que souvenez-vous ce qui s'était passé sur l'épreuve de biathlon un peu plus tôt, c'est que des fois quand tu te retrouves avec
d'autres personnes un peu devant toi ou à tes côtés, bah faut réussir à l'éviter, et l'IA des fois, tu sais, elle te rentre dedans, enfin limite, tu sais, tu prends peur donc tu te décales, tu vois, mais forcément, tu dis merde, elle me fonce dessus ou quoi, et du coup ça te décale de ta trajectoire et tu perds du temps, quoi. Alors que là, on creuse l'écart, on est vraiment, vraiment yambe. Normalement, sans me tromper, hein, sans trop me tromper, c'est une médaille d'or. Je vous avoue que là, on... Là, je vous avoue, je pense qu'on est bien. Hop là, on est plus très loin de l'arrivée. L'avantage, j'y pense, des jeux comme celui-là, je veux dire sur les JO d'hiver. Attention pour le sprint final, let's go. Bah, c'est que ça te permet de pouvoir te mettre dans l'ambiance des JO d'hiver ça comme ça, tranquillou, en étant au chaud chez toi, sans être à peler comme ça à l'extérieur, sans être à te les peler comme ça dans les tribunes, pour les épreuves enfin pour les personnes qui assistent en vrai aux épreuves, quoi. Donc c'est quand même bien sympa en vrai, finalement, ce style de jeu. En plus, bah, en y pensant, les jeux sur les Jeux Olympiques, ça se fait plus trop. Je crois qu'il y a eu un jeu qui est sorti justement pour Tokyo 2020-2021. Je sais plus du coup s'ils l'ont rebaptisé ou pas, vu que du coup ça a été décalé d'un an. Je vous avoue, j'ai vu le jeu, j'ai pas voulu le prendre. En vrai, bah, c'est pas comme les anciens jeux JO qu'on pouvait avoir avant, comme celui-là, ce Torino 2006, ou le Athènes 2004 qu'on avait fait déjà avant, quoi. Je vous avoue, le JO Tokyo, là, non, j'ai vu, ça m'a pas du tout attrayé. Hein. En fait, c'est peut-être... c'est devenu un petit peu trop style... Un peu trop style dans son gameplay, à la manière d'un Mario Party, un peu, vous voyez, c'est... Bon, c'est sympa, mais c'est trop différent de ce qu'on a pu connaître avant avec des jeux comme celui-ci, quoi. Pour les jeux, en tout cas, de licence Jeux Olympiques. Après, encore avant ça, bien sûr, on avait Track and Field, hein, avec le... Le bon vieux matraquage de manette qui aura traumatisé, je pense, une génération, on peut le dire. Une génération. Je suis pas sûr, Yu-Gi-Oh! Duel Link, peut-être. Je me souviens d'avoir essayé un Yu-Gi-Oh! Ouais, un moment sur mon téléphone, mais ça remonte à un moment. C'était peut-être le Duel Link, mais je suis pas sûr. Après, j'avoue que je préférais quand même Power of Chaos, encore, par rapport à ce jeu Yu-Gi-Oh! Que j'avais fait sur mon téléphone. Je peux plus te confirmer si c'était Duel Link ou pas, mais après, je trouve pas qu'il était terrible, quoi, on va dire. Nous sommes quatrième, nous sommes au pied du podium, il reste encore 6 épreuves. Pour aller chercher les Russes, ça va être compliqué. Hein. Je pense que les Russes vont l'emporter. Bah après, bon, faut dire qu'avec les produits qu'ils prennent, bon voilà, on peut pas les tester. Hein. On est en 2006 encore, donc bon voilà. Hein. Y a pas eu les mêmes usures que maintenant. Bon. Alors qu'on va attaquer le Bob à deux, le Bob féminin. Donc épreuve qui sera similaire à celle de la luge. On va croiser les doigts pour y arriver. À l'épreuve de Bob à deux de César Napario. Bah, le jeu Yu-Gi-Oh! Du coup, ouais, pas terrible, terrible, quoi. Pas terrible, terrible. Je préfère encore le... Legacy of the Duelist, je crois que ça s'appelle, là, qui était sorti à un moment, là. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, dessus. Ça remonte. Et le Power of Chaos, qui était le tout premier jeu Yu-Gi-Oh! À être sorti sur PC. J'avais fait les trois, celui avec Yugi, Joey et Kaiba. Bon, ça reste le même jeu, au final, hein, vu que... Le gameplay, c'était surtout faire soit des duels uniques, soit faire des duels match contre le même bonhomme à chaque fois. Donc soit Kaiba, soit Joey, soit Yugi. Puis voilà, c'était tout, quoi. Il n'y avait pas de mode histoire, comme dans Forbidden Memories. Mais le jeu n'avait pas cette vocation, aussi. Oh là là, oui. Oh, merde. J'ai tapé le bord. Allez. Fuck you. Ah. Eh, j'ai perdu du temps parce que j'ai tapé les bords, putain. Ah. Prestation top jusqu'à présent.
Alors le gameplay du Bob, c'est pas le même que celui de la luge, hein, forcément. Ce n'est pas trop grave. En fait, c'est plus rapide, mais c'est en même temps plus lourd, en fait. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous passiez d'une voiture à un camion. Mais que le camion, du coup, à cause de son poids, il va beaucoup plus vite que la voiture. Et là que vous êtes là à gérer le volant, alors que vous êtes lancé à plus de 130 km/h, quoi. Quel temps fabuleux. Sans que vous puissiez freiner, hein. Là, pour le coup, pour mettre un peu le truc un peu plus, comment dire, en situation, pour ceux qui auraient du mal à visualiser que ce serait comment en vrai. Là-dedans, quand vous êtes dans cet engin-là, ce sort de gros suppositoire supersonique, eh ben en fait, vous ne pouvez plus freiner. Hein. À ce moment-là, vous avez intérêt à réussir toutes vos trajectoires. Hein. Enfin, en tout cas, je crois pas qu'il y ait une touche pour freiner en vrai dans le bobsleigh. Hein. Enfin, quoi que je sais pas, je dis ça, mais oh putain, on est devant pour 3 centièmes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir bien gérer le deuxième passage. Vraiment bien gérer. Merde, j'ai sauté le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer de penser à laisser les prochaines de replay. Mais après dans le jeu il y en a pas, mais je sais pas si en vrai par contre il y a vraiment un bouton arrêt d'urgence quoi. Dernière seconde avant le départ. On est parti. Attention. D'après moi, le départ n'était pas mal. Non, il n'était pas bon. Ouais, d'accord. C'est le pire ménage du bobsleigh, lui. Enfoiré. Non, il n'était pas bon, non. Oui, le temps intermédiaire est largement moins bon qu'au premier passage. Oh. Oui, ah. Le temps intermédiaire le prouve. Encore pire qu'au premier passage. Ouais, oh. Si c'est pour dire ça, franchement, dites rien. Vous me déconcentrez. Pire qu'au premier passage. Oui, tout va bien pour l'instant. On remonte. On a un excellent travail d'équipe. Et après ce fort intermédiaire, tout est encore possible. Oh, ça va trop vite. Oh, ça va trop vite. Et encore un paroi. Oui, ça n'était vraiment pas nickel. Allez. Oh. Aujourd'hui, les filles étaient rapides. Un temps record. Ah, c'est peut-être bon pour la médaille d'or. C'est peut-être bon pour la médaille d'or. On va savoir ça tout de suite. Ah, et toi, tu l'avais sur toutes les consoles, en fait, quoi, c'est vraiment... Ah ouais, t'étais fan, quoi, on peut dire. Ah, j'avoue, ouais, franchement, parce que là, c'est... Ils me disent, oh non, c'est mauvais, non, ouais, il perd du temps, ouais, je... Oui, merci, je viens de racler la glace sur 15 mètres, là, oui, je m'en suis rendu compte. Mais bon, on a quand même réussi, et on a établi un record... en bobsleigh, également au passage. On a été en plus vraiment bon. Genre, premier passage, 0,57,63. Deuxième passage, 0,57,57. Limite, genre, on a fait une moyenne de 57, de 0,57,60, quoi. Vraiment, on a été très, vraiment très régulier, quoi. Ça, c'est vraiment parfait, c'est tip-top. Ben, on va voir, du coup, ce que ça donne au classement général après. On va d'abord assister à la cérémonie des podiums, enfin des podiums. La cérémonie des podiums, ouais, c'est quoi cette cérémonie? On remet des podiums en fait. Ah d'accord, ok. On va nous remettre notre médaille d'or sur cette cérémonie donc du podium. Et on va enchaîner sur ce qui sera normalement la 10e ou la 11e épreuve. On s'approche de la fin de ce mégathlon déjà. On n'est même pas à 1h. Hein. On n'est même pas à 1h de live qu'on est déjà pas loin de la fin de ce mégathlon. C'est très rapide. En vrai, je me dis. J'aurais pu même la faire en vidéo, en fait, finalement, vu que c'est très très court. Je pensais que ça aurait été quand même un peu plus long. Finalement, ça part quand même encore plus vite que ce que je pensais. Le live va durer même pas... Allez, 1h20, peut-être 1h30. C'est le format que j'utilise pour mes vidéos, sauf que bon, c'est en live. Bon, bah, ok, hein. Pour changer un live plus court que ce que j'ai l'habitude de faire. Nous repassons donc, du coup, devant l'Allemagne et le Canada. En deuxième position, la Russie. Avec 5 épreuves restantes, j'ai pas envie de dire irrattrapable, mais on va pas se cacher, les chances qu'on passe devant la Russie, c'est très 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 faible. Et on va juste essayer de finir sur le podium, je vous rappelle qu'il y a encore l'épreuve du patinage de vitesse sur 1500 fucking mètres encore à venir.
là où on va perdre beaucoup, beaucoup de points déjà, faut prendre ça en compte, et également les épreuves de slalom qui vont arriver également vraiment parmi les dernières épreuves de ce mégathlon, l'épreuve de slalom qui est extrêmement difficile aussi. C'est parti, tout est en jeu. Qui nous montre ce dont il est capable. Bon, normalement, ski de fond, ça me réussit. Normalement, le ski de fond, je maîtrise. Je vais quand même me mettre en condition. Excusez-moi de marquer autant, on va dire, temps de pause. Mais bon, j'essaie de rallonger le live. Oui, j'avoue, ouais, j'essaie de rallonger le live. Parce que là, on aura très bientôt fini à ce rythme-là. Et c'est parti. Et on les y part. Le truc, c'est que si le live est trop court, il va peut-être falloir que potentiellement j'anticipe et que j'envisage un deuxième jeu. Et ça. Alors, quoi que remarquer. Bonne cadence dans cette section. Au final, ça pourrait peut-être même m'arranger au final. Sinon, il aura du mal. Parce que, comme j'ai pu déjà le dire avant, certainement dans des vidéos et lives passés. Style très en force. Mais il faut qu'il répartisse ses forces. C'est que j'ai du mal à trouver du temps pour faire les vidéos et même les lives. Parce que les lives, c'est encore plus, on va dire, un peu plus compliqué. Parce que je dois verrouiller un moment pour pouvoir réussir à assurer le live. Et je vous avoue que c'est pas toujours évident. Du coup, c'est pour ça aussi que le rythme a déjà baissé sur la chaîne depuis un moment. En termes de live, de vidéos de publication, mais bon. Oui. Ah, j'aurais pu faire. Putain, pourquoi j'ai cassé mon saut? Enfin, mon saut, ma vitesse. Ah, le con. Parce que, en fait, j'étais sur une descente là, et je me suis remis à skier, quoi, normal, alors qu'en fait, j'aurais pu me laisser glisser sur la pente, en fait. Ah, j'ai perdu du temps terrible, là. Bêtement, là. Putain. Ah, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment un cerveau monotâche, en fait. Hein. Je peux pas parler et en même temps être concentré sur une tâche, en fait. C'est trop difficile pour moi. Bon, en somme, pour dire, on verra. Peut-être. Si c'est trop court, on fera peut-être un deuxième jeu. On verra bien. On verra bien. Bon, après, pour ceux qui suivent déjà le replay de ce live, on va dire que ce n'est que purement anecdotique. Du coup, si on fait un deuxième jeu ou pas derrière, allez, là, donne-moi une jauge de sprint, là. Voilà, merci, la jauge de sprint. Super, vraiment super. Ouais, j'aurais pu avoir plus d'avance, j'aurais pu avoir clairement plus d'avance. Parce qu'en fait, plus l'écart est énorme entre le premier et le deuxième, par exemple, et vous verrez que plus l'écart de points attribués est énorme également. Et là, je pense qu'on aurait pu, on va certainement la gagner, possiblement, je pense, sans vouloir être présomptueux. Mais on aurait pu scorer beaucoup plus sur cette épreuve. On aurait pu scorer beaucoup plus. J'ai mal joué. On va peut-être gagner, mais je pense que j'ai quand même mal joué. Là, allez, on va avancer un petit peu. Allez, c'est parti. Le sprint final. Mais c'est voilà. Vraiment un bon temps. Bon, on va voir du coup si on est premier. Je crois que malheureusement, sur la fin, on a peut-être perdu sur la fin. On va savoir ça incessamment sous peu. Ah, ça va, c'est passé. On aurait pu avoir tellement plus d'avance, mais bon. Allez hop, on valide. La Russie, deuxième. Forcément. Ouais, mais eux, ils sont partout, c'est pas possible, quoi. Allez, la cérémonie du podium, pendant que je vais vous lire un petit peu. Il manque le snowboard, on dirait. Ouais. Enfin, quoique, je crois que en vrai, on peut débloquer. Alors, à vérifier, parce que moi, j'y suis jamais arrivé.
Mais paraîtrait-il que si on arrive à faire genre, je sais plus, la médaille d'or sur toutes les épreuves en difficile ou non, de faire le record dans toutes les épreuves du jeu, et bah du coup, que derrière on arriverait à débloquer le, bah, l'épreuve du snowboard. Après, je n'ai jamais pu le tester moi-même, donc du coup, je pourrais pas te confirmer ça. Mais apparemment, il y aurait le snowboard à débloquer dans le jeu. Après, je ne sais pas, mais c'est vrai que sinon, ça aurait été une épreuve qui aurait été bien sympa de pouvoir faire comme ça, librement dans le jeu. Comme ça, on va dire, en épreuve de base. Mais il y a plein d'autres épreuves qui auraient pu être sympas, genre le curling, par exemple. Hein. Bon, alors, je sais que ça peut... Ça dépend, j'ai envie de dire, quelque part, si vous aimez, comme moi, jouer à la pétanque, possiblement, vous pourrez aimer le curling. C'est un peu le même style, c'est un peu le même truc. Sauf que vous êtes un petit peu normand aussi à côté. Mais il faut supporter le froid. Hein. Parce que c'est pas la même température. Hein. Le terrain de jeu de quand tu fais de la pétanque et la patinoire sur laquelle où tu fais du curling, il y a une petite différence notable en termes de température. Hein, quand même. Il faut supporter. Ski alpin, le slalom, ça y est, on y est, on va en chier. Ça y est, on y est. Cette putain d'épreuve, bien chiant. Ah, alors là, on va perdre des points. On peut réussir, hein. En fait, c'est du qui tout double. Soit on réussit, soit on fail, mais comme pas possible. Vraiment, cette épreuve-là, c'est si j'y arrive, limite, c'est la première ou la deuxième place. De si je rate. A eu lieu dès 1936 aux Jeux Olympiques de Garmisch. Mais à l'époque, c'est une fracture du tibia et c'est 3 semaines à l'hosto, quoi. Bon. Allez, on se donne du courage. On se donne du courage. Bah, on verra dans le poker, bah, j'en ai un peu trop fait déjà. Bah, de toute façon, après, si je fais le poker, ce sera pas après en rediff sur la chaîne, hein, bien entendu. On va plutôt faire un autre jeu. Un jeu que je prévoyais de faire déjà avant, mais du coup pour la publier après. Mais je me dis au final, autant gagner du temps et le faire maintenant. À la rigueur, peut-être, enfin maintenant. Après ce live sur Turin 2006. Après ce mégaton volume 2, le curling, j'ai bien une blague dessus. Ah d'accord. Déjà, le premier jury sera, j'ai envie de dire, le bot YouTube. Hein. Donc, attention à la blague. Hein. Il y en a certains qui se sont fait supprimer leur message, des fois pour pas grand chose. Au lieu de... Dans le palais, il faut se cure le nez. Au lieu de lancer le palais... Faut se curer le nez. Je vais méditer là-dessus pendant que je vais faire la descente. Wow. Allez, on est parti. Elle débute la course par un fantastique départ. Ouais, mais c'est con vu qu'il faut aller lentement ici, donc ça sert à rien de faire un bon départ. Putain, merde. Ah, j'étais pas mal au début, en plus. Le ski acrobatique aussi aurait pu être une épreuve sympa dans le jeu. Dommage qu'il y soit pas. En fait, il y a beaucoup d'épreuves comme ça qu'on peut rajouter dans le jeu. Est-ce une question de licence par rapport à des fédés ? Oh ta mère, non ! Putain de merde ! Ah, j'ai merdé à la fin ! Avec ce temps, elle peut espérer remplir son contrat. Si cette fois-ci, ça risque de ne pas suffire pour une médaille d'or. Et je crois que une pénalité, c'est 2 secondes. Tu me retires 4 secondes. 55, 96. Ah ouais, bon, je faisais deuxième. Au pire, bon. Ah dommage, j'ai failli faire le sans faute. Hein. Et c'est pas facile. Hein. Je sais pas si vous arrivez comme ça à vous en rendre compte à travers le live. Mais cette épreuve-là, le slalom, ça fait partie vraiment des épreuves qui sont pas faciles. Ça demande une concentration et une gestion de la vitesse. C'est... Ah, c'est vraiment un truc, quoi. C'est... Ah, t'es focus comme pas possible. Après, c'est bon. Quand tu commences à comprendre le truc, ça devient plaisant, mais... Enfin, c'est... Si vous voulez un terme d'équivalent en termes de concentration, ce serait presque comme rouler sur F1, sur un jeu de Formule 1, sur le circuit de Monaco, quoi. Voilà. Pour vous donner une ordre d'idée un peu de ce que c'est en termes de niveau de concentration. À peu près. À peu près. Bon, je laisse le replay, hein, bien sûr, pour que vous puissiez admirer ces magnifiques images de la PlayStation 2.
Enfin, bien sûr, upscalé, hein, vu que je suis sur émulateur, hein, forcément, hein, la PS2 natif ne ferait pas des rendus aussi propres, comme vous pouvez l'imaginer. Ah, il y a un deuxième passage, d'accord. Alors, du coup, faut que je récupère genre 4... Ouais, on y croit, ouais, vachement. La concentration avant le départ. Ouais, vachement, ouais. À quoi c'est par rapport au curling ? Bah, en fait, si tu veux... Moi, je l'ai pas saisi, je t'avoue. Enfin, mis à part, j'imagine, je sais pas, je... Enfin, là, comme ça, j'ai pas trop tilté. Tu vois, je suis peut-être con, pardon, mais c'est pas... Je connais pas non plus toutes les blagues, après, hein, forcément. Ok, deuxième passage. On va essayer de faire au moins aussi bien que le premier. Et si on peut améliorer, bah, ce serait génial. Ce serait un plus. Bon, allez. Ah, pas mal. Super départ. Oh oui, qu'il était super. Il était trop super parce que j'ai trop de vitesse déjà. Bon, je vais me taire. Hein. On se retrouve à l'arrivée. Hein. Parce que concentration. Pour l'instant, tout va maximal. Bien. Le temps est bon. Et demandé. Ouais. Tu joues trop avec les limites, putain, c'est pas vrai, non. Ah, j'ai trop joué avec les limites. Ah, j'essaye vraiment d'optimiser, d'aller au ras à chaque fois. Hein. Oh non. Ouais, c'est bon, c'est terminé. On va essayer d'assurer. On est à la fin. Prends pas de risque. De toute façon, t'as déjà une pénalité. Allez, c'est bon. C'est... Non, dégueulasse. C'était pas ce qu'on appelle une bonne prestation. Et ouais. Je suis vraiment déçu. On passe troisième du coup. Bon, c'est pas mal, ça va. Et bon, on était deuxième un peu avant, donc le temps de passage, montre-moi. Bah ouais, non, j'étais trop... Ah, j'étais beaucoup trop mauvais. J'étais plus rapide que tous les autres derrière, mais j'étais beaucoup trop mauvais sur le deuxième passage par rapport aux Néerlandais. Bon, pas de regret. De toute façon, en vrai, l'écart était déjà énorme et ils sont trop balèzes. En vrai, j'aurais pas pu avoir mieux qu'une médaille de bronze. De toute façon, j'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir pendant un instant. Curling, curling. Ah, d'accord, ok. Ah bah ça m'avait pas tout de suite sauté aux yeux. Ah, d'accord. J'ai plus de cartes SIM. Excellent, un peu. Aucun regret. Ah, okay. Ah, c'est par rapport justement au téléphone que tu me disais déjà l'autre fois que tu t'étais pris, me semble-t-il, Oise. Bah, écoute, si ça lag après, dis-moi, parce que c'est possible que ça soit de mon côté. Après, je sais pas, Victor, tu m'as pas fait de retour entre-temps, comme quoi qu'il y aurait eu des problèmes sur le live, des problèmes sur le stream. Donc du coup, je me dis que ça va, en vrai, que c'est bon. Bah, dis-moi aussi si pour toi c'est bon OAS quand même, ouais, histoire que quand même que je sois rassuré, histoire de savoir si c'est que ça soit quand même pas de chez moi, j'espère. Je suis déjà fibré, donc j'aurais du mal à faire plus en termes de débit. Le classement, il reste 3 épreuves après, et après donc la 12e, nous sommes remontés sur le podium. Et on est pas si loin quand même, pas si loin des deux premiers, mais nos espoirs viennent d'être détruits par la dernière épreuve de patinage de vitesse, le seul, l'unique, vous l'attendez tous, le 1500 putain de mètres. Ah oui, il y en a certains qui ne s'en sont pas relevés. Patinage de vitesse de l'Oval Lingo Toa Turin. Merci Thierry. Félicitations au public. On a de nouveau une super ambiance ici. Ambiance formidable, oui. Merci encore, mon cher Thierry. Oui, avant il s'appelait Gérard, entre-temps, je l'ai rebaptisé Thierry, ouais. On est parti. Attendez, merde, il faut... Ah, attendez. Un t-shirt, pour éviter de me défoncer les doigts. Hop, voilà, tac. Je suis tout seul sur l'anneau ? Apparemment. Ou sinon le mec, il est derrière, peut-être. Allez, c'est parti. Allez.
C'est horrible. Il y a des souvenirs de Athènes 2004 qui remontent hein, en faisant ça à chaque fois. Allez, on fait bien, on fait bien. On essaye. Sa course est très agitée jusqu'à présent. Il ne faut pas s'attendre non plus à des vitesses records. Ce temps intermédiaire est bien en deçà de ses capacités. Il est pas en train de me traiter de grosse merde là en fait là non. Putain, faut le diriger en plus quoi. Parce que si tu le fais pas tourner, lui il part dans la barricade, on dirait. Je commence à avoir mal en plus là. En fait, si vous voulez, j'ai une position qui est pas très particulière sur la manette. Je pourrais prendre une position plus simple, mais oui, putain, mais ça a frisé. Intermédiaire. Avec autant de fautes, ça va être difficile à rattraper. Même le jeu te fait des coups de puputerie, là. Genre pas possible. Ah, c'est pas encore fini. Ah, moi, je veux que cette épreuve finisse, quoi. Mais mon Dieu, au secours. Je sais que je suis déjà dernier, alors. Bon. Allez, c'est la fin, là. Allez, c'est la fin, là. Allez, c'est terminé, là. Et voilà, c'est officiel. Très mauvais temps intermédiaire pour elle. L'autre qui en rajoute une couche derrière, quoi. Trop de portée vers l'extérieur. Ça va lui faire perdre du temps. Ouf. Oui, mais bon, on n'est plus à ça près, mon cher Gérard. Ouais, finalement, je préfère t'appeler Gérard plutôt que Thierry. Il n'est pas impossible que tu rechanges encore de nom après. Ah, je fais de la merde, là, je fais de la merde. Bon, oh, de toute façon, laisse tomber. Oh, enfin. On est de rêver d'une place sur le podium. Le podium est carrément inaccessible, d'après moi. Ouais, je suis passé de 5 à 7, puis de 7 à 12 secondes d'écart entre le premier et moi-même, quoi. C'est... Oh, mon Dieu, mais quel enfer, ce jeu. Mais quel enfer. Mais quel enfer! Et là, je vais dégringoler au classement, mais comme pas possible! Ah, ça va être ignoble! Ça va être dégueulasse! Ah, on va tout perdre! On va même pas réussir à monter sur le podium final à la fin du Mégatour! Aïe, aïe, aïe! C'est clairement pas la même histoire que sur Athènes 2004. Hein. Il y a moins d'épreuves, mais les épreuves, entre guillemets, dirait-on, sont peut-être un peu plus dures. Non, déjà, le gameplay est différent. Sur Athènes 2004, c'était que matraquage de manette. Et là, sur Turin 2006, on a des gameplays un peu plus variés. Et justement, on n'a plus ce gameplay où tu dois pulvériser les touches de ta manette. Donc, c'est quand même un peu mieux pensé, finalement, par rapport à ça. Quand même. Mais les épreuves sont chaudes, hein, quand même. Hein. Surtout le patinage de vitesse, hein, qui, lui, est totalement overcheaté. Hein. Ah non, non. Là, totalement. Je pense que vous l'avez constaté aussi, hein, vu les écarts. Alors, le chat... Ah ouais, non, attendez. Il y a le classement... bon, on est en troisième. On a terminé avec tout ce qui est patinage de vitesse. À voir maintenant c'est quoi les deux prochaines. On peut peut-être passer devant le Canada. C'est 2000. Ah, y a une petite chance de passer premier. Ah, elle est pas très grande. Hein. Ski alpin, le slalom géant. On a peut-être une chance. Hein. Il n'est pas facile non plus celui-là. Enfin, il n'est pas facile aussi celui-là, mais on va voir. Le chat, donc... Bon, écoute, bonjour, je vais pas répondre. Celle-là, non, en fait, moi je l'ai pas capté tout de suite, donc je sais pas. Essaye avec essaye avec quelqu'un d'autre pour voir s'il est plus réceptif. Mais moi je l'ai pas eu, donc, m'a manqué mon loulou. Ouais, écoute, ça marche, mais pas en direct, mais hors direct. Ouais, on dirait un truc de mafieux, là, que tu me fais la victoire. Ok, d'accord, bah, j'ai repris le fil des messages. Alors, on est parti pour la descente du slalom géant. C'est un peu pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais peut-être un peu moins compliqué, mais quand même compliqué en fait. Oh putain, j'ai appuyé sur le bouton sans le vouloir. Départ réussi, même si elle l'a déjà fait beaucoup mieux.
Fais pas le con. Allez, tant pis, tu sais quoi, marque un temps d'arrêt. Oh, c'est pas attention grave. Le ouais, temps intermédiaire est acceptable. Ouais, 3 secondes, ouais, il est acceptable, ouais. Putain, j'ai foutu de la daube. J'ai foutu de la grosse daube sur le départ. Oh, ta mère. Oh, super. Oh, putain. Allez, on vise la deuxième place. Allez, la médaille d'or, c'est mort, c'est fini. C'est ici que je m'étais vautré dans la barrière juste de, à côté de la ligne d'arrivée. Non, non. Ah merde, médaille de bronze. Plus la pénalité, j'aurais pas eu la pénalité, je pense que j'étais bronze. Bah j'étais argent, je veux dire. Ouais. Ah, dommage. Ah, attendez, il y a un deuxième passage. C'est pas fini, on a peut-être encore un espoir d'y arriver. Allez, c'est parti. Bon, finalement, ce départ là, wow, il était pas forcément fantastique départ. Oh, fantastique. Ah bon, je le trouvais assez similaire qu'au premier, je dois dire perso. Super, vraiment super. Là, c'est sûr qu'on est en avance là. Par rapport à ce qu'on avait fait sur le premier passage, ça pourra pas être plus mauvais. Oh oh, elle se met à rouler. Mais non. Pas de conneries. C'est bon. Voilà. Il fallait faire ça sur le premier passage déjà. Attendez, ce sera peut-être assez pour aller chercher la médaille d'argent. Ce sera peut-être assez. Je pense. Ah bah c'était le classement général en fait. D'accord, bah on est médaille d'argent. Et j'aurais réussi à faire la même perf sur le premier passage. Ah, oh, c'était médaille d'or. Il y a personne qui a fait mieux que 0,51. On est le seul qui a fait un temps en 0,50. Oh, merde. Oh, si mon premier passage, il aurait été aussi bon. Ça aurait été une médaille d'or aussi. Hein. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bravo, merci. Merci, Oaz. On va voir du coup si... Bah déjà, en fait, j'y pense, mais c'était pas la dernière épreuve. Ou l'avant-dernière. Ah, on va voir ce que, bah... La prochaine... screen nous dit, est-ce qu'on aura le classement général ou est-ce qu'on aura... directement l'annonce de la prochaine épreuve. J'espère qu'il en reste encore une, quand même, pour qu'on puisse réussir à aller chercher la deuxième place, mais... Faudrait voir les scores là, les points. Et on est trop loin. Allez, non, trop loin la deuxième place. Même il reste une épreuve, mais ça va être pas possible. Faudrait que je marque 6000, non même pas 7000, rien que pour à peu près rattraper les Russes. L'écart de points est trop important. En tout cas, je pense que même la troisième place c'est pas fait. Même la troisième place c'est pas fait. Écoutez, pour l'honneur, c'est la dernière épreuve, et on termine avec, j'ai envie de dire, l'épreuve reine, la catégorie reine du bobsleigh, le bob à 4. Et nous allons essayer d'aller chercher, du coup, la médaille d'or pour cette dernière épreuve, histoire de finir ces JO, ce mégathlon en beauté. Nous aurons certes pas fini bienvenue premier. À l'épreuve de bob à 4 de Cézanne Apparion. Il règne ici une super ambiance parmi les supporters français. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Merci Jean-Jacques pour cette intervention très pertinente. Donc du coup, bob à 4 pour notre dernière chance de médaille. Espérons que ce soit une médaille d'or, comme ce qu'on a pu faire peut-être déjà avant avec le bob féminin, je sais plus. Je crois qu'on avait fini soit premier, soit deuxième. Espérons que la Russie et que le Canada terminent loin surtout. Let's go.
considérable au départ. Le manque de concentration, tout simplement. Alors, juste, je vous demanderai, Gér, le commentateur du bobsleigh, de pas trop parler pendant que je pilote, là. Ah non, mais un crash peut vite arriver, hein. Et je sais pas combien de kilomètres heure on va, mais on va beaucoup, beaucoup trop vite. Oh, cette sensation, waouh. Le pop touche la paroi. Ce n'est pas trop grave. Ah, je vais me mettre sur orbite, là. Je vais me mettre en orbite, là. Je vais concurrencer Elon Musk. Ça n'était vraiment pas nickel. La paroi n'était pas... La vitesse, moi j'en ai, moi. Moi, je peux me mettre en orbite. Attention. Oh. Bon, pas trop dégueu. Pas super trop dégueu. Travail d'équipe, tout était parfait. 0,5705, 135,4 km/h. On était très rapide, hein. Effectivement. Le chrono est pas dégueu. Je vous avoue que je préfère faire un truc en 0,56. C'est quand même plus. Quand même, voilà, tu sens que t'es rapide quand t'as été en 0,56. Même 0,55. Alors là, c'est l'excellence. 0,57, ça peut être pas trop dégueu. Faut voir ce que l'IA va faire. Bah, déjà, on a réussi un défi. J'ai battu un nouveau record de vitesse en bobsleigh. Ah non, mais voilà, c'est... Moi j'aime tout ce qui touche à la vitesse, de toute façon. Et ouais, de peu, ah, ça va être serré. Ah, on va avoir une belle lutte pour cette finale du mégathlon sur cette dernière épreuve du bobsleigh. Il y a encore un passage à venir. Les Allemands sont les meilleurs. Toi aussi, tu es pas mal. Toi aussi, tu es, mais un peu en dessous, mais tu es bien. Vas-y, Getoé. Ah ouais, écoute, hein, je pense que j'y ai déjà bien trop pensé quand j'en ai fait le let's play déjà avant. Donc, mince, le bobsleigh, ça va vite, encore plus vite que la Formule 1. Bah, en termes de vitesse pure, enfin véridique, bah, on n'en serait pas loin, à quelques 200 km près quand même, on va dire, à peu près. Mais sinon, en termes de sensations dans le jeu... Dans le jeu, ouais, c'est vachement bien rendu. Et franchement, c'est génial qu'on ait cette épreuve-là pour terminer ce mégathlon. Tous les supporters français croisent les doigts. Parce que, pour moi, c'est mon épreuve, enfin, une de mes épreuves préférées, bah, avec justement la luge, le bob à deux, même les épreuves de descente en ski alpin. Le saut à ski aussi que j'aime bien, même si il peut être fatal si tu commets la moindre erreur. Il y a pas mal de bonnes épreuves comme ça. Je commence déjà à faire la synthèse du jeu, vu qu'on s'approche de la fin. Il y a pas mal d'épreuves, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont quand même sympas parmi le peu d'épreuves qu'il y a. Après, voilà, toutes les épreuves ne sont pas géniales. Encore une fois, le patinage de vitesse. Bon. On est prêt. On y part. D'après moi, le départ n'était pas mal. Moyen. Non, il n'était pas bon. Ouais, il était moyen, oui. Je veux bien vous accorder ça. Bon, allez, il faut prendre de la vitesse. De la vitesse. Bon, intermédiaire. Non. On frotte pas la glace. On cherche pas à avoir de la glace pilée. Le cocktail, c'est après, c'est oui, pas tout de suite. Intermédiaire est largement moins bon pour premier passage. M'envoler, voilà, oh je vais trop vite. Oh, je vais m'envoler, putain. Wow. Ça va beaucoup trop vite. Wow. Super. Je pense qu'on a la médaille d'or. Une médaille est même envisageable. Enfin, je sais pas. En vrai, il y avait 6 centièmes d'écart, soit 0,6 dixième. C'est très, très, très faible comme écart. En fait, je suis sûr de rien. On est peut-être médaille d'argent. On va voir, le suspense monte. Pour fêter ça, quand même, parce que c'est la fin de ce mégathlon en même temps, quoi qu'il arrive. Je vais boire un petit coup. Et bien, il met un petit barlot. Et malheureusement, les résultats viennent de tomber. Nous avons échoué. C'est une deuxième place, quand même, une médaille d'argent. Et on établit le deuxième record... sur les tablettes donc de la discipline apparemment et effectivement là le temps qu'a fait les Russes sur leur deuxième passage 0,56,83 comme j'ai pu vous dire quand tu fais 0,56 un temps dans les 0,56 tu sais que t'as été vraiment rapide
Alors moi j'étais régulier, hein. Moi c'était 0,57, mais le dernier passage des Russes, il était mortel. Même le premier, en fait, c'était 56,99, quoi. Bah, ça, on s'en sort pas trop mal. Je pense qu'au classement général, on devrait finir du coup 3e au pire des cas. Sinon 2e, on va voir. Hein. Déjà, on va récupérer notre belle médaille d'argent du Boba 4. Et se laisser après sur le classement final de ce Mégathlon volume 2 spécial JO d'hiver. Ne manquez pas de suivre du coup, hein, vu qu'au moment où je fais ce live, et peut-être pour certains au moment que vous, si vous prenez potentiellement ce replay, le replay de ce live peu de temps après sa publication, à l'occasion, pensez à jeter un petit coup d'œil sur les JO, histoire de soutenir bien sûr nos athlètes, mais aussi de découvrir, surtout même, découvrir des disciplines qui sont quand même bien sympas et qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir à la télévision ou ailleurs, quoi. C'est un peu ça aussi, le gros plus, le gros truc avantageux des JO, que ce soit ceux d'été comme d'hiver. Et nous finissons donc bel et bien 3e. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. On est quand même, à noter quand même, hein, en regardant ce classement, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais on est quand même le pays qui a gagné le plus de médailles d'or. 6 médailles d'or contre 5 pour les Russes et 4 pour les Canadiens. Si on devait pas prendre en compte les points et qu'on se baserait seulement sur le nombre de médailles d'or gagnées, comme c'est le cas en vrai sur le vrai tableau olympique lors des vrais JO, normalement on serait en tête. Enfin je dis ça, attention, c'est pas pour me plaindre de que je n'aime pas ce système de points ou quoi. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, je dis juste que c'est de la merde. C'est... normalement, c'est nous qui avons gagné. Voilà, et en plus, en vrai, si on cumule toutes les médailles, on en a combien ? On en a 11. Ils en ont combien ? Les Canadiens, ils en ont 10. 11. Ouais, ok, on serait genre égalité en termes de nombre de médailles avec les Russes, mais on a plus de médailles d'or, donc ce serait genre nous, la Russie, puis le Canada. En vrai, c'est comme ça que devrait être le vrai classement. Ma foi, c'est pas grave. Voilà, on va s'en contenter. Et on va donc se laisser sur ce magnifique classement de notre Mégathlon volume 2. J'espère que ce live vous aura plu. Live court, très court même par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Je pensais moi-même que ce live aurait été plus long, mais finalement, il aurait fait qu'une heure et demie. Bon, c'est peut-être pas plus mal de changer un petit peu comme ça les habitudes, de faire un peu plus court pour changer un peu des fois. En tout cas, j'espère que ces JO vous auront plu, que ce Mégathlon volume 2 vous aura plu. Et puis, pourquoi pas, qui sait, faire un volume 3 dans 2 ans pour les JO de Paris. Qui sait. On verra bien si la chaîne existe encore ou si elle est encore active à ce moment. Merci à tous ceux qui ont suivi le live et à tous ceux qui ont participé directement au live via le chat. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu avant qu'on se laisse. Alors, je vais essayer de récupérer le fil des messages. Tu viens de faire un bip. Ah, ça doit être pendant ma descente en bobsleigh. Vive l'Allemagne. Non, c'est vrai qu'ils sont balèzes, hein, les Allemands. Et même, surtout au foot, je crois bien. Enfin, moi, quand je suivais le foot à l'époque, déjà, ils étaient balèzes. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, c'est une grande nation de sport et également de machinerie. Hein. En Formule 1, bon, ça fait depuis un moment que les Allemands dominent. Hein. Ils en sont même agaçants, même, d'ailleurs. Je suis arrivé trop tard. Bah, écoute, bah, ce sera... pour une prochaine, hein, pour un live qui serait plus long à l'avenir. Au pire, si t'as manqué le début, t'auras toujours la rediff derrière si tu veux la récupérer. Puis, je pense que les prochains lives, de toute manière, seront plus longs que celui-là. J'avoue que je pensais qu'il ferait minimum 2 heures, je pensais pas qu'il ferait 1h30. Bon. mais c'est pas plus mal. On fera un prochain live qui sera plus long. T'inquiète pas, Oaz, on se débrouillera. Bravo, j'applaudis. Tu me préviens. Bah écoute, oui, si t'es abonné à la chaîne, normalement tu recevras une notification quand il y a des lives qui partent, genre je crois 1h ou 30 minutes avant, ou quand il y a une vidéo qui est publiée. Normalement, voilà, si t'es abonné et que t'actives la cloche en même temps, normalement t'as toutes les notifs qui vont avec. Enfin après, bon, je vous avoue, moi je suis pas abonné à énormément de chaînes, donc je peux pas vraiment vous dire vu que je l'ai pas moi-même pas testé, mais apparemment c'est censé être ça. Donc encore une fois, merci à vous tous. On va se laisser ici. Je t'embrasse aussi, Oaz. Passe une bonne soirée. Merci Victor. Merci Alpha d'avoir été présent
sur le live de ce soir dans le chat. J'espère que vous avez encore une fois apprécié ce Mégathlon volume 2. On se retrouve très prochainement, je l'espère, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Et en attendant, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et suivez les JO de Pékin également pour soutenir nos athlètes. Et en attendant, je vous dis salut tout le monde.